Bonjour pour ce nouveau Michel Midi. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de, des élections qui ont eu lieu en Belgique dans mon pays, mais je crois que beaucoup d'enseignements peuvent s'appliquer aussi à la situation européenne qui est en plein bouleversement. Euh, je vous prie de m'excuser si je suis un peu flagada, c'est-à-dire que pour l'instant je suis malade et euh, voilà, il faudra un petit peu de temps avant de rétablir. Rien de grave, mais bon, fatigant. Et les résultats en Belgique sont caractérisés par. Euh, ben les perdants. Vous savez bien qu'au soir des soirées électorales, tout le monde a gagné, mais en réalité, c'est intéressant parce que les perdants sont à droite, le gouvernement MR et un gouvernement MRCDH, un Parti libéral et chrétien, qui ont appliqué une politique très agressive pour enrichir les riches et affaiblir, appauvrir les gens normaux, notamment, pardon, notamment en s'attaquant beaucoup aux retraites. et Côté, pardon, côté euh, de la Flandre, c'est un recul aussi, y compris du principal parti euh, flamand, la NVA de Bart de Wever qui est un parti de droite euh, très radical, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à part sa ville, ailleurs il recule, ça c'est une bonne chose. Et donc les gagnants se situent en Belgique, le parti écolo, très nettement, surtout euh, en Wallonie et le PTB, Parti du Travail de Belgique, un parti, euh, j'aime pas les étiquettes, mais bon, disons gauche radicale pour faire vite. Euh, deux gagnants, on va analyser euh, un petit peu les défis qui se posent là, mais d'abord il y a une question de contexte général. Les partis politiques en Belgique, en France, en Europe sont en crise profonde, j'ai analysé ça dans le livre Pourquoi Soral séduit, qui est plutôt ma vision globale sur le, le système où nous vivons. Mais c'est clair que, à force de faire des promesses qui ne sont jamais tenues, les gens se disent bon, on ne va pas voter sur les promesses, on va voter sur notre portefeuille, on va voir ce qui se passe vraiment au niveau de notre pouvoir d'achat. Et là, c'est clair que les gens ont envie d'autres choses. On voit qu'il y a pas mal d'abstentions aussi, de votes de protestation. Je crois qu'il faut essayer d'avoir le vote le plus utile, le plus raisonnable, le plus euh, qui incarne non seulement une révolte, mais aussi un programme, un projet de société. Et donc, je crois que ça vaut la peine de, de réfléchir sur euh, cette question-là. La crise économique provoque une crise politique et c'est une opportunité. Il faut la voir comme une bonne chose. Ça veut dire que le système en place n'arrive plus à garder sa crédibilité. Et euh, c'est une opportunité pour les gens qui veulent justement changer les choses et servir non pas le 1%, mais le 99%. Donc, je disais, deux gagnants en Belgique. Et là, euh, on a donc le parti écologiste. On a vu qu'il a beaucoup progressé en Allemagne aussi. Et c'est clair qu'il y a un potentiel. Beaucoup de gens se, se, sont concernés, évidemment. Par les changements climatiques et euh, quelle planète nous allons laisser à nos enfants, la question qui se pose à écolo, c'est le diagnostic, d'où ça vient, quelle est la cause profonde, et bien entendu la solution. Euh, là, je vais repasser une petite vidéo que j'avais voulu présenter dans une autre émission, mais ça n'avait pas réussi. J'espère que ça va fonctionner et donner la parole donc à la Nicolas La planète Hulot, est en train de devenir une étuve. Nos ressources naturelles euh, s'épuisent. La, la biodiversité fond comme la neige au soleil. Et ça n'est pas toujours appréhendé comme un enjeu prioritaire. Et surtout, pour être euh, très recours, sincère, mais ce que je dis vaut pour euh, la communauté internationale, on s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique marchand qui est la cause de tous ces désordres. Donc la réponse... Voilà, donc il dit une chose très importante, je répète, l'heure est grave et on s'évertue à réanimer un modèle économique qui est la cause de tous ces désordres. Et là, je crois qu'on a une forte interrogation à se faire. Il pointe le doigt sur un modèle économique où effectivement... Les grandes entreprises ne pensent qu'à une chose, c'est vendre toujours plus pour gagner toujours plus de profit. Mais vendre toujours plus, ça veut dire nous obliger à gaspiller, à consommer, à user les matières premières et à vivre dans un mode de production où le paradis, c'est de remplir son caddie, y compris avec des choses qui vont être vite jetées ou cassées. Et donc, si Nicolas Hulot n'a pas réussi alors qu'il avait un prestige énorme, et une position théoriquement exceptionnelle dans le gouvernement Macron, et s'il a été obligé de dire ben, « j'ai complètement raté, j'ai servi à rien, servi à Libye, à Macron, pour se donner une image », effectivement, la politique de Macron était tout pour le 1%, tout pour les entreprises, tout pour les profits des grosses multinationales, et avec ça, on ne peut pas faire d'écologie. Et donc là, on a un défi, c'est que, évidemment, le grand problème, c'est est-ce que la cause de la destruction de la nature est chez le consommateur ou chez le producteur Alors, en tant que consommateur, c'est clair qu'il faut recycler, il faut faire du compost, il faut essayer de ne pas gaspiller, il faut évacuer le plastique, mais je crois que l'examen des faits montre que le problème profond, il est chez les producteurs qui décident qu'est-ce qu'on va produire, qu'est-ce qu'on va vendre, et qui, avec la publicité, qui, selon moi, devrait être interdite à la télévision, arrive à faire consommer par les gens des choses qui, en fait, sont nocives individuellement et surtout collectivement. Donc, je n'ai pas trouvé, jusqu'à maintenant, dans le programme d'écolo, un programme qui pointe vraiment du doigt, voilà, si on veut sauver la planète, il faut s'en prendre au pouvoir des multinationales, au pouvoir du 1%, il faut changer ça en préparant un rapport de force. Donc j'espère que ça va venir, parce que vraiment l'heure est grave, mais c'est ça, à mon avis, le, le défi qui se pose. Écolo c'est un parti qui a percé dans, on va dire, les intellectuels, la petite bourgeoisie intellectuelle, surtout dans les villes, et qui a pris des voix à des partis de droite. Donc ils ont peut-être un problème de stratégie, mais il faut vraiment tenir à l'œil ce débat fondamental. Quelle est la cause de la destruction de la planète Et est-ce que c'est compatible de faire de l'écologie en gardant le pouvoir de Exxon, Total et de toutes ces euh, firmes-là Voilà, euh, du côté des colos, je crois que l'avenir reste ouvert, il y a besoin d'une réflexion. L'autre partie euh, assez typique et assez euh, originale, je vais dire, en Belgique, c'est le parti du travail de Belgique. Lui, euh, ses racines sont clairement dans la classe ouvrière, implantation depuis 40 ans dans les usines, dans les syndicats. Maison médicale gratuite dans les quartiers ouvriers, ça, ça a été des points forts qui ont fini par payer euh, aussi avec un renouvellement de la communication et un peu de marketing politique. De ce point de vue-là, Écolo et le PTB ont fait clairement des progrès et ont tenu de, de très très forts résultats. Le PTB est euh, le deuxième parti à Charleroi, le troisième parti à Liège, il dépasse toute une série de partis traditionnels. Et encore, c'était des élections communales où l'attachement à tel ou tel maire bourgmestre est encore plus important. Mais on aura des élections en mai 19 et il sera très curieux de voir les gens ont clairement un, un besoin de changement. Euh, donc on a deux partis qui, l'un est plus dans la petite bourgeoisie, l'autre est plus dans la classe ouvrière. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas opposer tout ça et qu'il faut voir que toutes les classes populaires, toutes les classes du 99% ont besoin. De s'unir, de s'allier, de trouver des revendications qui vont défendre les intérêts des uns et des autres et surtout qui vont être capables de, de proposer un projet de société différent. Parce que sinon, on va se retrouver récupéré. Et là, maintenant, les partis traditionnels sont en train de faire les yeux doux à Il et à Groun en Flandre. Oui, oui, on va mettre un petit peu de verre ici et là, plus de cyclables, blablabla. Mais on voit bien que c'est pour essayer de garder leur pouvoir, garder le système. Et qui ne sont pas prêts à des changements fondamentaux. Ils vont euh, le Parti socialiste. Il faut expliquer qu'en Belgique, c'est un peu spécial. Il a été au gouvernement tout le temps pratiquement depuis 40 ans, sauf les quatre dernières années. Donc, il a payé le fait qu'au gouvernement, il a pratiqué une politique néolibérale et que les gens s'en souviennent. Et puis, normalement, en étant en opposition, il aurait dû quand même un peu remonter. Mais il s'est payé une série de scandales de corruption à répétition avec des administrateurs d'intercommunal qui gagnent 500 euros la minute, avec un bourgmestre socialiste, administrateur aussi d'intercommunal, qui euh, gagnait, si je me souviens bien, un million par an. Donc là, évidemment, les gens se disent, euh, il faut voir pas seulement l'étiquette, il faut voir les faits. Et donc le Parti Socialiste va essayer de récupérer le PTB, de le mouiller, de faire en sorte qu'il y ait un, un parti comme les autres, et tout l'enjeu des discussions maintenant, l'enjeu du débat politique dans les mois et les années à venir, sera de savoir si on va récupérer ces deux partis-là, ou au contraire, si on va s'appuyer sur l'idée de mobiliser la base, d'écouter les gens. C'est un point important chez Colo, d'écouter les gens, une bonne gouvernance, des règles démocratiques, éviter les cumulards qui se remplissent les poches. C'est quelque chose au PTB aussi, où il y a des règles extrêmement strictes, qu'on soit militant de base ou président du parti, on gagne le salaire d'un ouvrier normal, il n'y a aucun privilège. Donc ça, c'est des garanties importantes par rapport au danger très important de la corruption dans le capitalisme. Mais on, va, on a clairement un défi. Est-ce que ces partis-là, éventuellement, avec tous les gens de gauche au euh, PS qui ont vraiment envie d'un changement par rapport au système, est-ce qu'ils vont être capables de proposer, non seulement au sommet, mais surtout à la base, dans les luttes quotidiennes, des euh, changements radicaux pour un autre programme Et là, moi, je voudrais insister sur un point qui est évidemment un peu mon dada, mais je crois qu'il est vraiment au cœur du débat politique aujourd'hui. On risque d'avoir en Belgique... Un pays un peu ingouvernable en mai 19 parce qu'on aura une Flandre à droite avec un parti extrêmement raciste envers les migrants et une Wallonie et Bruxelles plus à gauche avec une attitude beaucoup plus ouverte, humaine et tolérante. Mais ça ne suffit pas l'attitude. Il faut surtout voir quelle est la cause du problème des migrants. Et là, on a un vrai débat de société, un vrai bataille de l'information à mener. Pourquoi il y a tant de migrants Est-ce que c'est parce que les gens veulent venir profiter de nos systèmes ici Non, ça, on commence à voir que ce sont des malheureux, des victimes. Il euh, n'y a pas vraiment euh, un grand enthousiasme pour euh, risquer de perdre la vie en se noyant en Méditerranée pour rejoindre le paradis. Et euh, donc, on doit vraiment creuser le fond du problème, à savoir les migrations sont la cause de la pauvreté. La pauvreté est provoquée par nos multinationales qui pillent les ressources naturelles, empêchent qu'elles servent à lutter contre la pauvreté là-bas, qui déversent leurs produits en euh, écrasant, détruisant la production locale, agricole et industrielle. Donc il n'y a pas de revenus pour les gens, donc on renforce la pauvreté, et aussi en exploitant la main-d'œuvre dans la délocalisation, etc de sorte que les travailleurs qui sont exploités là-bas pour produire aller des vêtements de la nourriture à des prix de misère euh, n'ont pas de pouvoir d'achat et ne font donc pas tourner l'économie locale et là donc il euh, y a les guerres pour faire respecter ça parce que j'ai vraiment insisté que les guerres sont le moyen de maintenir la domination du 1% sur le 99% et je sais que c'est une thèse qui est controversée comme on dit il y a des gens qui n'aiment pas ça il y a des gens qui pensent que nos gouvernements font le bien, qu'ils apportent la démocratie. Ben regardez en Irak, regardez en Libye, regardez en Afghanistan. Non, ils n'apportent pas la démocratie. Ils écrasent les pays qui veulent avoir une indépendance. Et la question de savoir si ces pays sont dirigés par des démocrates ou des dictateurs n'est pas la question. Vraiment pas. Donc, on a une grosse réflexion à avoir. Et je pense que si au niveau des communes en Belgique et au niveau des municipalités, des associations locales et de terrain, il faudrait un grand débat d'éducation aux médias, véritable, dans les écoles aussi, bien sûr, si on laisse faire ça, c'est-à-dire analyser le discours dominant, le discours des gouvernements, des multinationales, qui vendent les guerres avec tous des arguments euh, comme on vend un dentifrice ou une bagnole, analyser ce discours, le confronter aux faits, et arriver à ce que les gens, et particulièrement les jeunes qui sont désespérés, qui ont été tentés par des, euh, des actions très nihilistes, d'arriver à ce qu'ils puissent comprendre l'info, comprendre les deux versions, comprendre la véritable raison des problèmes qui sont au Moyen-Orient et ailleurs, et donc jouer un rôle actif de citoyen dans la, dans la, dans la bataille de l'info sur toutes ces questions. Ça, je crois que c'est un projet assez fondamental qu'on devrait, au niveau des communes, au niveau des localités, vraiment commencer un travail d'éducation de terrain. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire aujourd'hui dans cette émission consacrée aux résultats des élections. Je vais regarder s'il y avait des remarques et des questions particulières. Je parcours en vitesse. Voilà, je vois beaucoup d'encouragement et de choses touchantes, mais pas de questions particulières. Donc, je vais vous donner rendez-vous, pas tout de suite. Parce que je vais faire une pause, je vais me rendre au Liban et en Syrie pour le Salon du Livre francophone à Beyrouth, pour faire connaître nos bouquins au Moyen-Orient et aussi pour un travail de reportage et d'enquête pour voir euh, des informations qu'on n'a pas ici et qui pourraient permettre d'éclairer justement la discussion sur les causes des guerres et les manœuvres secrètes dans les guerres. Donc euh, il n'y aura pas d'émission avant euh, le. 20 novembre, je vous fixe rendez-vous si le Mossad veut bien me laisser et je vous fixe rendez-vous pour une émission très très intéressante avec Jacques Poels, un historien belge qui vit au Canada, il revient rarement en Belgique mais là je l'ai capté, il a écrit un bouquin Business avec Hitler. Le mythe de la bonne guerre, ça c'est sur la deuxième guerre mondiale, il apporte des révélations absolument incroyables. Il a écrit un livre, 14-18, La grande guerre de classe, tout ça est publié en français chez Aden, un éditeur en Belgique, un très très bon bouquin. Et donc je vais m'entretenir avec Jacques Poel sur les leçons de ces guerres, mais il est aussi en train de préparer un livre sur les mythes de l'histoire, il va analyser toute une série de, de médias-mensonges historiques, on va dire, et là je vais essayer d'un petit peu lui tirer les vers du nez pour avoir en avant-première les choses qu'il y aura dans son bouquin et en discuter avec vous. J'aurai aussi euh, une émission de nouveau avec Mohamed Hassan. Vous avez été très nombreux à apprécier son intervention sur la nouvelle situation en Érythrée et, et la paix Éthiopie-Érythrée. On va parler avec lui euh, un peu plus tard du Yémen, de l'Arabie saoudite et toute cette région qu'il connaît extrêmement bien. Voilà, on a euh, plein de projets. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions, les thèmes que vous voulez traiter. Donc, rendez-vous le 20 novembre. Ah oui, on va préparer l'équipe d'InvestiAction, on va préparer une mutation vers YouTube. Vous êtes nombreux à nous avoir dit que c'était plus pratique, plus euh, ça permettait plus euh, aussi de discussion et de débat, ce qui est le but. Et donc, il y aura une mutation sur YouTube, ça vous aurez les infos. Pour le savoir, euh, inscrivez-vous à la newsletter Action. c'est la manière la plus sûre d'être tenu au courant. Euh, on se demande aussi si on va le faire à 12h ou un peu plus tard, genre 12h30, pour permettre à plus d'entre vous de s'installer à l'aise. Écrivez-nous ce que vous en pensez. Et euh, voilà, je vous souhaite une bonne période d'ici au 20 novembre. Et euh, merci de soutenir Michel Midi.